mais soyez vigilants. Soyez vigilants, car nous vivons une période de troubles politiques. S'il est vrai que le petit peuple des campagnes et des villes, les agriculteurs, les éleveurs, les acteurs du secteur informel, les artisans et les petits commerçants commencent à se doter d'une conscience politique, il est aussi vrai que ceux qui l'ont toujours dominé et exploité n'ont pas lâché prise. Ils n'acceptent pas l'irruption sur la scène politique du petit peuple qu'ils méprisent. Alors ils ne tarissent pas de manœuvres et d'intrigues pour faire douter et démobiliser le petit peuple. C'est pourquoi il faut rester vigilant pour déjouer les pièges subtils que tissent ceux qui ne sont prêts à aucun sacrifice pour l'émancipation de leurs frères. L'un des meilleurs artifices consiste à se proclamer pompeusement révolutionnaire, progressiste ou de gauche, d'user un langage prétendument pro-travailleur, de se caler en prétendu défenseur des travailleurs et du pouvoir d'achat. Ne vous y trompez pas. Pour eux, le travailleur, c'est celui qui se dandine dans un bureau ventilé ou climatisé, c'est-à-dire les quelques milliers de salariés, surtout des villes et principalement de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pour eux, tant pis pour les millions d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans et de petits commerçants dont le sort leur importe peu. Ils combattent toujours pour plus d'augmentation de leurs salaires, de leurs indemnités, de leurs avantages personnels. Que les millions d'autres Burkinabés crèvent ou pas, ce n'est pas leur souci. Voilà la réalité de ceux qui se trappent dans le manteau de progressistes ou de défenseurs des travailleurs pour mieux abuser le peuple. Certains d'entre eux ont même refusé une contribution simplement symbolique de 1% de leur salaire pour participer à la défense de la patrie en danger, ce qui est plus que révélateur. C'est pourquoi il faut rester vigilant pour ne pas se laisser abuser par ceux qui, pour atteindre leurs objectifs, sont prêts à toutes les mutations et contorsions possibles pourvu que leur amour propre soit préservé et que leurs intérêts propres soient garantis. Soyez vigilants, mais n'ayez pas peur, car avec le président Traoré, le Burkina est dans de bonnes mains. Victoire au peuple engagé. Je vous remercie.